pas sous-estimer les amis. Hein. C'est le Day 3. La Thaïlande hein, qui avait gagné les RLCS 9. Bon, le match commence. Jekyll, tu peux me mettre sur TS avec lui? Ok, première entame de match. Le duel qui est gagné par Ryze. Attention. Ah, je suis trop chaud, casse. Alors Atto qui va peut-être faire un fake. Ok, dommage, dommage. Ryze qui prend la balle. Tellement chaud au cast. Ah, j'ai peur d'éteindre le CEO et qu'après on me demande comment y aller. Bon, bataille milieu de terrain. Atira qui s'envole. Faire une passe. Double commit en face, hein, double commit. Là on est bien, là on est bien. On a la pression. Je peux venir Discord s'il te plaît. Ça allait. Allez. Et comment tu commandes bien, j'étais presque à me dire, il faut que je le laisse tout non, seul, non, c'est impossible. Okay, attention, on va tirer un peu. Oh là 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 là, le flip reset. Ah, ça fera rien, ça fera rien. Mais viens juste Discord, s'il te plaît. T'inquiète, Jiffy, va. Non, tu peux pas venir TS. Okay, attention. Ice, ok. Et c'est contré par Tiester. Atto, Atto, Atto qui a de l'espace. Atto, Atto le duel. Let's go! Voilà, bien, premier hein. but d'Atto Rico. Et pourquoi tu veux absolument me dire Discord? Non, comment tu veux que je vois? Il va t'envoyer un... Ah, oui. Non mais c'est bon, c'est bon, ah, en fait, c'est bon. Bon. Toi tu... Vois, là, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Ok, ok, bon. 1-0, il y a l'overlay qui bug, on est en orange, je sais pas pourquoi. Attention, Atira peut-être? Oh là là, c'est trop ce qu'il a fait. J'ai jamais vu ça, 20 ans de LM. Il a fait quoi, vas-y, dis-nous. De quoi? Il a fait quoi? En fait, il a fait croire qu'il allait tirer en haut et tu vois, il l'a mis petit filet comme ça là. C'est trop, c'est trop. 20 ans de RL, 20 ans que je regarde RL et j'ai pas vu ça. Non, c'est une dague. Là, tu t'en as pensé quoi du move? Tu peux nous analyser le move, s'il te plaît, avec toi? Ils ont juste mat défendu en face et du coup, il a juste rentré. Ah, Ryze qui s'envole, le double tap peut-être? Non, c'est contré le backboard, toujours. Ça joue beaucoup backboard, c'est la nouvelle méta sur Rocket League, hein, depuis 2 ans. Attention, peut-être un but. Non, c'est bon. Ryze est là, il paye au grain. Vatira, Vatira, Vatira qui a d'espace. Vatira peut-être. Vatira, Vatira. Oh, dommage la crossbar. Oh là là là, ce qu'il leur avait fait. Éliminer 2 joueurs, les amis. C'est méchant, c'est méchant. C'est que vraiment, je pense, à part dire. Oh, Ryze là, il touche la balle et. Ah, oh là 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 là. Mais Bibi, c'est voilà. Trop. C'est trop comment. T'as trop bien commenté là. C'est trop dur. Mais y'a rien de trop. C'est trop dur ce qu'il a fait, je suis d'accord. C'est trop lucarne, plein de lucarne. Il a prédit la bague. Il a prédit la bague, c'est tout. En fait, tu peux augmenter un peu le son de Bibi, s'il te plaît. Jekyll, j'entends pas bien. J'étais stressé, mais. Ok, ok, bon. Nouveau kick-off. 3-0 là dans ce bloc. Faut réussir à pas se prendre des buts. Bête à l'engagement, voilà, c'est bon. Ok, là on prend le compte parfait du coup. Tu peux nous parler de l'équipe en face, s'il te plaît ou pas? Bien sûr, bien sûr. Ethan, Chelster et Thailand. L'équipe Halo, hein, une équipe qui est redoutable. En tout cas, elle a pas gagné sa place par hasard hein, ici en demi-finale du Day 3 du régional. Et en fait, c'est une équipe qui joue beaucoup, beaucoup les contre-attaques. Donc, faut attention. Hein, ils t'endorment en fait et d'un coup, ils viennent, ils accélèrent. Attention à Atto. La passe backboard. Attention. Ryze qui est tout seul. Oh, c'est contré. Tu vois, ils sont très forts en défense. Et après, ils arrivent, ils sont cliniques en fait, ces mecs-là. La passe. Oui, il y a quand même 4-0. Donc, bon, très fort en défense. Mais en fait, c'est pas parce qu'une équipe est forte en défense qu'on ne peut pas marquer. C'est juste qu'on est encore meilleur en attaque. Des vagues de blue wall dans le chat. Le mec en 2020. On le kick-off B là. Ouais, c'est un kick-off B comme tu dis. C'est dommage. Un kick-off en fait où t'attaques en 2 temps. Essaye de prendre le contrôle. Attention, Atto, Atto qui a beaucoup d'espace. Atto qui a du boost. Peut-être la double tape passe. Va faire une passe. Je l'ai vu. Voilà, à la réception, Vatira. Vatira, renard des surfaces. Il le savait, Atto, on le voit. Il arrive, il voulait pas tirer. Il voulait juste faire une passe. Et Vatira, bien placé. Tu peux rien faire. 5-0, la Manita. Bibi, tu penses quoi de cette nouvelle manière de jouer les kick-offs en RLCS? Ah, j'aime bien. Hein. L'utilisation du boost, elle est bien pensée, donc c'est rentable de le faire. Ouais, c'est ça. Et tu vois qu'il y a beaucoup de fake challenge. Attention, Atto qui contre au milieu, hein, bien sûr, il règne dans ce milieu de terrain.
La menace, comme on l'appelle. Ils sont en orange. Alors, je ne sais pas du tout. Et je vais demander à nos consultants sur notre produit. Attention. Attention, ok. Personne dans les buts. Tu vois, la contre-attaque. Chez eux, c'est... Ça perd pas de temps. Il s'est fait oublier, il s'est fait oublier. Il s'est fait oublier, c'est tout. Regarde. Et là, oh là là là. Il reste caché et boum, il apparaît. But. Et tu vois, Vatira n'est pas là parce que justement, c'est une contre-attaque, c'est le principe. J'espère un... Ah, il n'y a pas de time-out pour faire un... Parce que... rebondir. Ok, Rise, le kick-off C. Il va le dribbler. Oh là là, dommage, il va le mystifier. Hein. Attention, Rise peut-être une passe. Et le duel qui est gagné. Le fake. Ouh là 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 là, la contre-attaque, j'en parlais beaucoup. Hein. Oh là là, le raté. Ah. Il n'y avait plus de boost, il était pas bien placé. C'est... Et voilà. Et ouais, la contre-attaque. La contre-attaque, t'en parlais juste avant. C'est la méta, hein, c'est la méta. Tu rates, boum, but. Exactement. Action, pas but. Action, pas but. Et nous, comme ça. Ah, c'est une équipe, les gars. C'est du SSL GC1. Et juste après, on joue les gagnants de ce match. Bon, ok, il s'est envolé. Il s'est envolé. Son backboard. La passe. Ah, dommage. Oh là là, attends qu'il la revoie. Et ils mettent bien la pression. Hein. Ouais. Là, ils font tout ça à côté juste pour leur bouffer leur boost. Exactement. Et ça, voilà, après ils ont plus de boost dans les buts. Et boum, c'est but. Tu vois le Ethan que tu vois en face, c'est pas n'importe quel Ethan, Bibi. Hein. C'est qui? Vas-y. C'est Ethan et Mbappé en personne. Ah ta gueule. Allez, c'est bon. Après, Bibi, c'est un casque professionnel. Ah, désolé, ah, mais bon. Je pouvais pas. Ouais. Oh, aïe. Oh là là. Oh, okay. Il s'est pas dit, je vais jouer le ballon. Dommage. Il a préféré jouer le joueur, c'était plus intelligent. Il a eu le boost, Rice qui s'est fait avoir, Chelster qui est très bon dans ses duels. Ok, on se replace. Plus de peur que de mal. Atira qui a peut-être fait challenge cette balle. Voilà. Oh là là. Il va la remettre au milieu. Et voilà, il l'a remis au milieu pour Ato. Tu l'avais vu. C'est leur plan de jeu à chaque fois. Ah, bien sûr. Et hop, double tap, tu penses qu'il va tirer et non. Ah, Toriko. 8-1. On n'a jamais vu ça. Hein. J'espère pas voir un 8-2. Hein. Ça n'existe pas même pas. Ok, Taylan qui est contré par Rice. On attend la Chester. Regarde, on le laisse jouer, il a pas de boost, on le sait. Voilà, premier contre. Oh là là, c'est tellement bien joué. Atira qui vient l'aider, on attend encore. C'est un deuxième contre ici, à Toriko. C'est bien joué de la part d'Ethan. Hein. La Rise peut-être, la contre-attaque, il va jouer son duel. Contré par Taylan. Le deuxième couteau. Peut-être la redirect de Rise, attention. Dommage. Oh, la passe midfield. Qu'est-ce qu'il a fait, Atira? Ratira. Il voulait pas le laisser marquer, c'est tout. Hein. Il voulait pas lui donner de stat. Bon. 1-0 dans ce BO5. C'était compliqué à aller chercher celui-là. Hein. On y va, hein. Voilà, sur notre front. Très bonne entrée en matière. Quoi les stats? Ok. Et 800 points pour Ato qui est au-dessus de tout le monde. Hein. Bien sûr. Après, c'est le plan de jeu. Hein. On joue pour lui. 0 save pour Ato. Avec quelqu'un. T'en as pensé. Tu penses que c'est quoi la faille de notre après avoir vu ce match? Je vois qu'il tente pas assez. Il n'y a pas assez de tirs du milieu de terrain. Les passes aussi. Ça joue pas. Tu vois, ça joue pas à 2-3. C'est. Ça joue tout seul, c'est pas bon. Alors que chez nous, ça joue en équipe. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est beaucoup vrai. De passes dans au centre, hop, un mec qui vient au centre, il récupère le ballon, il tire, il marque. Ouais. En tout cas, j'aime bien le fait que tu vulgarises un peu les termes et tout, que tu n'utilises pas des termes techniques pour expliquer un peu tout ça pour que les joueurs. Tout le monde puisse nous novices comprendre, puissent comprendre, bien sûr. Bah ouais. Parce que les passes, gens, peut-être, ils n'ont jamais regardé du Rocket League. Ils savent pas ce que c'est. D'habitude, quand ils arrivent sur le cast, ils entendent il y a une passe, une file, double tap, une two flip reset, machin. Ils comprennent pas. Là, c'est simple. En tant que nouveau, j'entends ça, je mute le stream. Je me dis, mais qu'est-ce que j'entends? Je peux pas le mute. mais oui, je peux comprendre sur le stream. Attention, le kick-off. Ah, la balle qui lui a un peu échappé, mais il a le contrôle du ballon. Il se fait challenge. De toute façon, Taylan qui peut être dangereux sur ce côté. Et là.
On va peut-être jouer le contre. Toujours pas. Ethan, Ethan la frappe. Oh là 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 là, arrête. Save plus 50. Attention là. Peut-être vite renvoyer le ballon là, parce qu'on a plus trop de boost. Ouais, c'est exactement ça. Faut... Ça va être compliqué là. Faut essayer de pas trop le rendre. Oh là là, très bon. Oh là là, la Reis, Reis qui est full boost, qui peut y aller. Reis qui peut y aller, attention. Envole-toi, gamin. Peut-être le premier duel réussit. Le deuxième peut-être. Le contre. Ah, il a pas réussi à aller chercher le contre. Atto, Atto la passe. Peut-être dans l'axe pour le renard. Ah. Ouais. Ah, ça cafouille un peu, hein. Ça cafouille, ça panique en face. En tout cas, on s'est bien extirpé de cette situation difficile, mon cher Bibi. Pas renvoyé encore. On Reis qui est dessus. Reis, Reis. Ah, la démo, hein. La démo d'Atto pour livrer un peu de l'espace. Reis, la passe. Dans l'axe, c'est dommage. Pareil, là, non. Attention, Atto. Atto qui la renvoie dedans. Deuxième duel. Double commit en face. On a de l'espace. Pas terminé l'équipe. Oh, dommage. C'est pas grave, va tirer à qui là? Tira, Vatigote, Vatigote, Vatigote. Il envoyé. Vatigote, Vatigote, il l'a déjà marqué. Arrête de me spoil! J'ai pas spoil, j'ai pas. Je suis tu m'as spoil! Mais je n'ai pas spoil! Je suis en direct, Bibi, c'est juste que j'ai vu le but. Et je le vois, c'est comme ça. Je pense que tu peux faire pareil? Ça dépend, parce que ma zone préférentielle c'est plutôt le côté de mon. Pour moi, mais. Oh! Ouh là là! Ok. Ah, y'a quelqu'un, t'inquiète. Oui. Non, mais en fait, tu penses que tu peux? Non, là non. Enfin, si tu me laisses. Prends-moi. Bon. Sur ce, y'a que 1-0, Bibi, ça peut aller très vite. 3 minutes 30 de jeu ici. Atto, Atto qui se fait contrer. Vatira, Vatira qui peut y aller. Vatira qui peut y aller. Le premier duel qui est remporté. Il a de l'espace. Reis à son tour. Reis sur le côté. Reis encore une fois, la frappe. Ah non, c'est contré encore une fois. Et Reis peut-être qu'il peut trouver une passe, un musty pass pour Patira de double. Oh dommage. Ah c'est dur de mettre des double tapes maintenant. Hein. Atto. Entrée encore une fois par Chester. Chester un joueur finlandais, Bibi, hein, je sais pas si tu le connais. Non pas du tout. Ah bah moi non. Tu peux m'en dire. Ah ok. En tout cas ça fait un peu. Ah, c'est bien, là ils ont pas de boost, ils ont rien, on les mange là. Ah, attention la passe infield pour Reis, Reis qui va la remettre peut-être. Ah c'est oh, dommage. Il a peut-être dû la remettre directement au milieu de terrain. Ah c'était vu, fallait tirer direct je pense. C'était un peu télescopé comme on dit. Attention, Reis, 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 encore un contre, Reis, mais qui peut le stopper? Qui peut le stopper? Attention, attention. Attira pour Reis. On va un peu laisser le bruit du moteur, le bruit du terrain, Bibi. Un peu comme dans le foot. Oh, ça manque. Toi. Alors qu'on a une offensive ici pour Vatira. Vatira qui a pas de ce le... moteur. Vatira pour Reis. Et voilà le but. Tu vois, j'ai senti l'action. J'ai senti l'action. Et oui. But du dos, une turtle shot de la part de Reis. En plus, ah, c'est vraiment ça. Oh là là, oh, ah non. Sur le côté, bien joué à lui. Ouais, bien joué. Ah, c'est... Il a senti l'espace, il a senti arriver. Hein. C'est la communication qui est importante sur ce jeu. Attention, on peut prendre un but sur le kick-off et non. Double commit en face, mais ça ne passe pas face au rempart qui va tirer le blue wall en personne. Et à toi. Ça c'est une touche. Ça devient. Ah, t'es mort. La finesse. Là, oh là 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 là. Oh là 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 là. Il a été élevé au gaufre hein, et au moule frites. Sur TS, les amis, vous l'avez reconnu, hein, son timbre de voix, c'est Bibi. Hein. Le grand speedrunner. Il est absent, mais son retour, c'est le 9 juin, les amis, en stream. Gagné, je parle plus. Oh, attends! Attention! Oh là là, ah, la passe backboard, mais ça a pété suivi. Attention, Atto, on le voit arriver, Atto, la double envoyé tape vite. Peut-être. Ah, c'est contré. Très bien joué de la part d'Ethan. Ethan, il est très fort en défense. Hein. On le voit, il court beaucoup d'offensives. Là, encore une fois, Thaïlan. Atto, peut-être le fake. Oh, c'est le but, frère. C'est le but! Pourquoi faker quand tu peux juste étendre? Y'a même pas besoin de commenter, il faut juste admirer, genre c'est juste regarder les gars, juste regarder comment ils s'envolent. Regardez comment ils s'envolent et tout, ils se retournent et tout, non c'est juste beau, juste regarder, c'est tout, c'est simple. En fait,
cette équipe c'était une partition, ce serait la partition de Mozart. Va tira qui attend. Va tira la double tape. Oh là. Ah ouais, fallait fermer ta. Pardon. C'était beau là, là c'était beau, mais bon t'as parlé et du coup boum, il s'est senti gêné. Vas-y, je me tais alors, il marque pas de petite seconde. Non, t'inquiète, continue, regarde. Ok, rise. Ah, c'est contré. 4-0, il reste 20 secondes. Je sais pas si on va réussir à sécuriser ce match, les amis. Ça va aller très vite sur Rocket League, vous le savez, avec les overtime. Ça tira, contré. Contre, dommage. Ça pue plus vite là, ils sont acculés de notre côté. Non, parce qu'on a fait une petite démo exprès, boum. Oh là là. Il va pas la chercher celle-là. Tire d'où ? La passe infield into frappe. Et là, le problème en fait de l'équipe en face, c'est qu'à 4-0, t'es obligé d'essayer d'attaquer. Et du coup, ça crée de l'espace, ça crée des trous. 5-0. Attira peut-être au 6ème. Trompe de page là. En fait, c'est pas ça. C'est une stratégie sur Rocket League. C'est très simple. Là, tu penses qu'il est en train de troll et laisser de. Ouais, bah ouais. Non. Ouais. En fait, il y a un truc, c'est que tu vois, quand t'es sur les fins de match, ton seul but c'est de reprendre de la confiance, de reprendre des. Un peu de chauffer, avoir des mécaniques un peu plus. Désolé de te couper, mais on regarde les stats. Vatira est à 813 et Thailand est à 108. Voilà la grande différence entre les deux joueurs. Et bah justement, c'est pour ça que Vatira ne lui donnait pas la balle à la fin. C'est pour le laisser très bas au score. En fait, à la fin, Vatira ne leur donnait pas le ballon. Le fait de ne pas toucher le ballon, c'est frustrant mentalement. Donc, il fait des dégâts psychologiques à l'équipe adverse. Donc, il arrive avec un mental edge pour l'équipe pour le match 3. Très bien. Belle analyse. Merci. Ah, pas de soucis. T'attends quoi pour le match 3? Alors, pour le match 3, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive et qu'on rentre plus vite dans le match. On a mis du temps avant de mettre le deuxième but. Et je pense que c'est un truc qu'il faut vraiment améliorer. Notamment quand on arrive pour les prochains matchs, et sachant que le prochain adversaire c'est SU ou Dignity Esports, deux grosses équipes. Et toi, Vivi ? C'est parti. On est lancé dans le match. Attends, ah ouais. Le kick-off. Attention. Oh là là, Atira. Carmine Bum qui est de retour, les amis. Oh là 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 là. Le jeu sans ballon de rêve. Le jeu sans ballon. Le pivot gang, il est là, frère, il est là. Oh là. Mbappé, il aurait dû te remercier, Rise. Ah, c'est... Mais joueur, il avait le ballon et le deuxième était là pour le protéger. Non, c'est beau. C'est... Attention. Et tu vois, j'avais demandé de marquer très vite le deuxième but. Ça fait dangereux là. Et on va voir ce qui va se passer. Rise encore. Allez, il s'envole. Il s'envole et il va ça faire pour la passe. Oh là là, oh, il en dribble. Oh. Il la laisse à Vatira. À Torico. Ah, dommage le bumper. Oh, il a essayé de fake, dommage. Et oui. Thailand. En moitié de terrain. Ok. Ils ont pas beaucoup de boost en face, hein. C'est pas beaucoup de boost, t'aurais compté la double tape. Non, il la laisse devant le backboard. Et Rise qui vient. Oh la fake. Oh là là. Ah, c'est trop. Là, on voit que la com elle est là. Bien sûr, elle est là, la com. Bien sûr, regarde. Hop. Et là, tu penses que Vatira va peut-être la laisser. Non. Et la com qui est assurée grâce à cette superbe casque Logitech G Pro X de la part de Logitech. Hashtag. Il y a les Logidays, les amis, en ce moment. Alors, Ato peut-être. Ato qui s'envole. Ato. Oh la tape. Oh dommage. Dommage. Essayez de le perturber, mais bon. C'est pas laissé avoir. Vatira qui s'élance. Qui s'envole à son tour. Il laisse la passe à Ato. Ah, le backboard qui est défendu par Thailand. Ils le savent maintenant. Hein. On n'est plus en 2016, les amis. Ato pour une passe peut-être pour Vatira pour la remettre. Vatira qui la renvoie. Oh. Ah non, c'était un peu. C'est pas grave. Ouais, est-ce qu'il la remet dedans? Ato qui va s'envoler. Ato, il se la place. Qu'est-ce qu'il va faire? Il la retouche peut-être? Non, c'est un fake. Tout le monde a fait double commit. Il a sauté de Vatira. Lui-même, je crois. C'est possible. Okay. Premier joueur dribblé.
parler le moteur, c'est ça? T'es fatigué? Bateau? Ok, en fait j'étais en train de regarder quand est-ce que le but allait arriver, il arrive dans 12 secondes exactement. 10 minutes 48 pour le but. Et contrer, ça passe bientôt. 3, 2, 1. Ah dommage, j'étais prêt, désolé, je... Mes calculs sont à 1 seconde. J'essaierai de faire mieux pour la prochaine fois. Il a juste une autre POV ou avant nous, c'est tout. Bah j'ai pas réussi à dire le bon chiffre, t'es con quoi. Pas c'est tout. Il grâche pas de ma capacité d'analyse, attention. Ok, ok, c'est contré. Ah je crois qu'on va prendre un but de Bibi, je le sens venir. Pas grave, même si on prend, même si on a pris un but, c'est pas grave côté. Parce que le CEO il est là. Mais non, le sourire direct, je l'ai entendu derrière moi. Mais non, j'ai senti sa présence, c'est bon. Non. Ah, il parle pas, ça fait 5 minutes, je sais pas pourquoi il s'arrête le, pas aller là. CEO. Là il a pris la pression dans ma. Mais non, c'est pas ça, c'est... Oh là là, dommage, dommage, dommage. Parce qu'ils ont allez, dommage. Allez, allez les gars, faut aller au bout. Faut aller au bout, faut sécuriser ce troisième match. Ils nous envoient directement jouer la place pour les Sweet Stage, les amis. Et le site 1. Attention, Ryze, Ryze peut-être. Ah, fallait la laisser mauvaise com de la part de Ryze ici. Hein. Peut-être qu'il s'est pas compris avec Batira. Le duel d'Ethan. Ato, Ato pour le milieu de terrain, Batira, Ryze. Pas des mots, on a des mots, c'est dommage, il s'y attendait pas, Batira. Et là, là, on, là, on a l'axe, l'armée dans l'axe, là, il l'armée dans l'axe. On a tout. Batira, Batira, Musty frappe. Oh, il fake encore. Moins 1, moins 2. Il fait freestyle. Plus jamais. Il a fait du freestyle, là. Mais là, là, il a une trick shot, il a fait oh tout là, là. Et il a utilisé l'adversaire, c'est... Qui s'est fait ça, qui s'est fait ça? Mais regarde ce qu'il a fait, frère, tu juste ça. Tu veux rien, y'a rien à dire, c'est... Faut se taire et contempler, hein. Ah, miskin et mec en face. Après... Et c'est comme ça qu'on, qu'on apprend. 5, c'est... Ouais les gars, ils ont écouté nos conseils, ils jouent beaucoup plus en, en équipe et ça paye directement. En tout cas, très bonne entrée en matière en ce dimanche de la part des briques du Blue Wall. C'est au courant que c'était Noka, c'est pour ça qu'il a fait un truc comme ça, tu vois, c'est un bon ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Le mec sait divertir. Hein. T'as vu Ryze. Je voulais prouver. Les amis, pour ceux qui se demandent, pour vous expliquer, Kameto va commenter Rocket League, donc il y a le prochain match qui arrive, où Kameto sera là. Et une fois que ce match est terminé, il rejoindra Oslo au cast, ou Oslo rejoindra au cast, exactement comment ils vont faire. En gros, sera sur cette chaîne, donc voilà, mais Fortnite commencera un peu avant la fin de Rocket League, donc il faudra commencer à regarder chez Oslo si vous voulez regarder du Fortnite, et puis venir ici. Va revoir des box de l'edit. 200. Il craque. Bon, je... bon, on va se refresh là. La moving zone arrive là. Qu'est-ce qui se passe dans ce match? Je crois qu'il y avait une roule one au fond. Est-ce qu'il va la voler, va tirer? C'est terminé, hein. La classe, ouais, 6-0. La classe à Dallas. Je suis anéanti, c'est la moustache qui commente la game. Mets ton prime avant que je te permette. GGS. Pourquoi ils disent, pourquoi ils mettent un S? Good games en fait, tu vois. Le GG c'est good game, et comme ils ont fait 3 games, bah c'est good games. Mmh. En anglais, ça se dit GG's. GG? Ah, toi il dit juste GG. Bah ouais. Ajoute un S. C'est les jeunes d'aujourd'hui, ça, ils rajoutent un S. Ouais. Y a un très beau match, les amis. Je sais pas ce que vous en avez pensé sur le chat. Peut-être une note sur 10 sur ce match.
Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, alors nous allons affronter le vainqueur de SU vs Dignity Esports. Attendez, je vais refresh pour regarder. Ah, c'est toujours pas terminé. Ah, SU qui est une équipe qui est très souvent dans le top 16 des RLCS, composé de Mikey Boy, Wisex et Tezok. Qu'est-ce qu'il y a qui dit? J'ai fait de drôle. Tu bois. Mais ça recule un petit peu quand même. Après c'est normal, c'est tout le monde ça. En fait je pense que les gens sont trop matrixés par les calvicies. Ouais, je jure. C'est comme toi, les gens ils disent que t'as une calvicie. Non, moi je sais que j'ai pas moi. Moi j'ai du calme, de rien commencer sur la défensive. Et arrêtez, commencez pas. Pourquoi parlez de moi, c'est bon, moi on sait, moi c'est fini moi. Toi tu rigoles toi. Y'a... Qui on peut rigoler à côté. Ah. Et ça, y'a pas de mal. Le truc, les gens ils sont trop matrixés par les calvicies. Train de raser, c'est bien. Ouais, c'est bon, tu commences à te faire vieux, frère. Donc bon, t'as recul ou pas, c'est bon, tu t'en bats les couilles. Ah ouais, c'est vraiment. Oh, oh le but de Batira. Et voilà. Le kick-off, frère. C'était le kick-off, c'est. Et le kick-off, mais c'est. Mais ils vont trop vite pour moi. Mais non, mais tu dis, eh, c'est parti, entre terre, Victor Face. Ouh. Eh, c'est parti, c'est parti. Ouais, ouais, comme ça, okay, c'est parti, okay, tu vois, okay. Je t'annonce le match. Vamos chicos, entre Karamin Corp et Sou, 1-0 dans le premier match de ce BO5. Ah dommage, j'ai était dedans. Attention, Rice qui s'envole, Mikey Boy qui est là. Ouh là 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 là, Rizex, hein. Rizex qui était prêt à mettre un dagger. Mais comment ça, dagger? On est à 3 minutes de jeu. Ah, mais la manière de comment il l'a marqué, c'est ouais, un dagger. Ouais, mais là, c'est pas un dagger. C'est toi qui casse ou c'est moi, t'es en observation? Bah non, c'est moi qui casse d'habitude. Ok, pardon, pardon. Dagger, faut que tu laisses la dernière okay. minute. Ok, pardon. Allez Bibi, vas-y, tu peux faire l'enlève. Eh, pendant les 3 secondes, vous pouvez parler, hein. Zarnab, non, vous attendez comme si vous alliez faire le kick-off. Faut être prêt. Rise. Ok, c'est contrôlé au backboard par Rizex. Attention, Atorico qui arrive, qui challenge. Vatira qui a de l'espace. Vatira, il s'envole. Vatira peut-être le flip reset. Ah non, la balle lui échappe. Mauvais contrôle, attention, faut se parler. Rise le premier. Ato la passe. Ah, c'est contré sur le backboard encore une fois. Vatira, il va éteindre. Ah, dommage. Mais le placement de Tezok, je sais pas comment il s'appelle, là, il est pas mal. Hein. Il savait où elle allait arriver, le petit pré-jump. Ok. Ato pour Vatira. Vatira, on part au-dessus. Vatira qui la laisse. Double tap. Oh, dommage. Ça passe à rien. Qu'en penses-tu, Bibi? Attention. La balle est dans notre camp. On a toujours le contrôle du ballon. Petit avantage de la part de nos joueurs pour l'instant. Ok, Ato qui contre. Est-ce qu'il y a de l'espace? Attention, à raison 1v1, il peut peut-être le. Oh, il est contré. Vatira qui pré-jump. La passe. Ah, il n'y a personne. C'est compliqué de venir ici pour Ato. Les gars, il a pré-jump. Ato va. C'est un monstre. Pas vrai. Vas-y, tu m'as déconcentré. Ah, c'est vrai. Tu gères. Goal! De Atorico! Faut pas faire ça, je suis pas sur ça. Okay. No lèche. Goal! Ah, le mec qui a mis. Désolé, toi. Allez. Il y a trop de chat en face, voilà. 2-2. De rester sérieux quand même, ça reste no joke, non, là, troll, ça reste un match important. C'est un match important, mais l'intensité, ma gueule. C'est un match important, désolé. Là, les gens, ils regardent. Le problème, c'est qu'en fait, j'essaie de laisser Bibi un peu qu'il puisse parler, tu il vois. Il dit pas un mot, Bibi s'en bat les couilles. Mais ouais, il est juste là pour rigoler, frère. Allez, Ato, le premier duel, le deuxième. Ato sur le côté, il peut peut-être faire la passe infield. Ato! Ah, la démo, ils aiment trop bump en face, ça me dégoûte dans ce jeu. Putain, la méta démo. Ah ouais, la méta démo. Alors. Ah, c'est Vatira. Vatira, j'aime pas, ils ont tous le même skin. Vatira pour Ato. Ato, ouais, attention, il faut contrer. Oh! Psycho. Ah non, pas de Psycho, c'est pas un Psycho en plus. Ah non. Ok, on a le contrôle pour l'instant. En face, ils ont tous du boost. Ils vont pouvoir peut-être faire une contre-attaque. Le Musty Shot, on l'a vu. Bon, Rice. T'inquiète, utilise le. C'est connu, ça utilise un peu la crossbar. Et là, on est un peu acculé en défense. Hein. Vatira qui libère un peu. Il me donne de l'oxygène ici. Ato.
Personne. On gagne juste du temps, on prend du boost. Je dois dire, ils donnent de l'air, parce qu'il y a une équipe qui sert à l'oxygène, après ils font des blagues de merde dans le chat. J'en fous. Attention. Et voilà. Vas-y, donne de l'air, pas de l'oxygène. Là, pour l'instant, on est sur un 100% de goal prix dès que tu parles. Ah ouais, c'est vrai. Arrête, toi aussi, tout à l'heure, t'as parlé. Après, je joue pas moi. On va essayer de respirer. Là, on va écouter un peu le moteur des voitures. Comme au foot, hein. Comme au foot, le silence. Faut entendre le cuir. Et ta gueule. Ah merde. En fait, je veux pas ne pas parler dans un casque. Mais tu castes pas ton observation. Ah, c'est vrai, je suis en observation. Oh, dommage, il y avait un cafouillage en face. Il y avait un cafouillage en face, on peut reparler, Bibi, c'est bon. On a assez vu. Rice qui s'élance, peut-être un fake ou une passe. C'est contré par Rizex. Rizex qui nous fait du mal depuis le début. Hein. Il est toujours au bon endroit au bon moment, bien placé en défense. Encore lui, vous voyez, j'en parlais à l'instant. Atto qui a un duel contre Rizex, il le gagne. Il a raté la balle. Et. Oh, dommage. Hein. Très bon retour en face de la part de Mikey Boy. Un joueur qui a gagné les RLCS 3 fois. Si je ne m'abuse. Attention, Batira qui en passe 2. Et encore une démo qui est trouvée de la part de Tekoz, la frère Hiro. Laisse-nous jouer à Zubby. Et là, il nous reste 1 minute 10 pour égaliser ou espérer gagner ce match. Kamel, qu'est-ce que t'en penses? J'hésite entre égaliser ou gagner le match. D'accord, d'abord on va falloir égaliser de toute façon. C'est la première étape pour gagner ce match. Et attention, hein, attention. Très fort au milieu de terrain, en tout cas, ils surgissent de partout. Mikey Boy qui a de l'espace, qui est tout seul. Ok, c'est bon, il est contré. Isaac qui lui vient en aide. Faut qu'on s'en sorte là, faut qu'on se libère de l'air, mon cher Kamel. Ah voilà, voilà, de l'air. De l'air, faut. Pour laisser 3 inox stack, faut en prendre aussi. Kamel, va ouvrir à Oslo. Vas-y, je vais l'ouvrir. Ah, c'est pas de ma faute, là. En dehors de cet aspect troll du cast. Oh merde! Oh fuck. Il nous reste 30 secondes pour mettre deux buts, et s'il y a bien une équipe qui peut le faire, c'est la Carmine Corp. Allez, Rice. De côté, hein, en solo, tu castes bien. Non. Je te jure. Ah, merci. J'arrive toujours à trouver le bon moment. Non, mais c'est à force de regarder Kamel, je pense que je commence à prendre des automatismes, tu vois. Non, par contre. Oui, oh là là. Là, il est parti, c'est bon, je peux parler. Ah, t'as raison. Ça va être dur, hein. Va falloir mettre un but et marquer au kick-off en 2 secondes. Ah mais c'est Rocket League. Tout... Là c'est bleu, là ça va être. Bon, 0-1. Mauvais premier match de notre part. C'est difficile après les adversaires d'avant de rentrer dans le match comme il le faut. Juste observer l'équipe en face, c'est rien. Ah, on peut analyser hein. Comment ils jouaient et maintenant ils connaissent, ils savent. Ouais. On a beaucoup subi sur ce match quand même. Hein. 13 tirs à 6, pardon. Mais c'est pas grave, on apprend de ce match. Dis des mots à 3, oui, les amis. Les démos qui nous font mal et Tekoz hein, qui avait pour seul rôle de nous démos et de libérer de l'espace. Mais ne vous inquiétez pas. On compte sur le fer à bol. En vrai, 8 démos, non? Ah ouais, 8 démos, franchement, c'est qu'on nous doit des sous. Hein. 8 démos. Frère. Sachant que le match dure 5 minutes, ça fait combien de démos par il y a combien de démos dans le match? Tous les combattants 8? Quoi? Comme ça, tu sais pas. C'est simple. Il y a 5 minutes, x 60. 60 secondes, ça fait 300. Divisé par 250, divisé par 265. Toutes les 75 secondes. Pourquoi t'as fait ce calcul? Rien, je parle au hasard. Ouais, pour ça je. Voilà, ça repart. Allez, on se focus quand même. Kick-off, pour l'instant on a le contrôle de la balle. Atto qui la retouche. Tekoz qui vient défendre. Il est full boost. Rice qui va peut-être la retoucher. Rice! Ah putain, dommage.
Il aurait pu la marquer. Toucher, il la remet dans l'axe. Le contre encore. Reste qu'il leur fait du mal pour l'instant. Hein. On va tirer un seul derrière. Il en passe un. Le deuxième est contré. C'est pas via Rise. Pour Atto. Atto. La deuxième touche. Le flip reset. La passe peut-être non. Mekibo qui est venu couper cette passe. Et on a encore de nouveau Rise sans boost qui vient gêner. Et sans succès. Atto. C'est encore contré. Attention là. La balle est dans notre camp. Rise, il n'y a pas trop d'espace. Atira est venu l'aider. Prise de balle d'Atto. T'as encore contré, mais qu'est-ce qu'il faut faire, Bibi, pour trouver la faille dans cette défense Dis-moi. On peut essayer de jouer à deux. Et la passe-tire, les trucs comme ça là, qu'ils font généralement, faut le faire là. Ouais. Ah, ils t'ont écouté la passe. Là, ils sont souvent sur le backboard, du coup, ça, c'est mort, on n'arrive jamais à marquer par là. On va retrouver des passes devant les cages, un peu comme on faisait hein, contre l'équipe d'Halo. Oula, il joue trop les bumps, il joue trop les bumps. Ouais. Je crois qu'il y a peut-être même un raté individuel ou alors un. Ah non. C'est... Il y a un bump, hein. Je pense qu'il a été touché. Ouais, il a été touché. Hein. Okay. Ouais, encore une contre-attaque, il va falloir être plus fort devant. Mieux concrétiser. On va trouver la faille, vous inquiétez pas. Oui, il est. Des joueurs d'expérience. Ah, ils en ont vu des vertes et des pas mûres. Hein. Ah, ouais. Allez, Rise. Ok, Batira, le duel. Batira, c'est juste devant, Mikibo qui est obligé de la toucher. C'est dommage. Faut qu'on se suive un peu plus, hein. Tes offensives là, regardez. Ok. Allez. Ah, y'a personne, faut s'aider, les gars. C'est pas grave, allez. Rise. Toujours un mec pour le contester. Hein. Allez, va tira. Non. J'ai l'impression qu'on le rend la balle quand on est en attaque un peu en ce moment. Attention à la frappe. Direct. Rise qui vient la défendre. Atto qui a un duel, Batira qui se faisait bump encore une fois par Tekos qui veut pas nous lâcher. La frappe. Faut du jeu à deux là. Ouais. Oh, il s'est raté, Tekos, il s'est raté. Est-ce qu'on peut peut-être aller? Ah, dommage. Voilà la démo. Oh là. Il y a une démo. Ok, encore une fois, Rise qui vient défendre, qui a pas de boost, qui récupère du boost. Atto qui la jette devant pour avoir un peu d'espace. On va Batira qui contre. Mais j'ai l'impression qu'on se suit pas assez. Défense là. La démo qui va faire du bien. Atto, voilà, serein. Le calme d'Atto, la menace. On revoit devant. La menace. Il vient faire une passe. Ah, ils l'ont lu cette passe. Bravo. C'est de la revoyer devant là. Attention, il est seul. Oh. Prennent notre temps sur les contre-attaques. Ah, ça devient un peu bizarre. Hein. Mais il y a une minute 30, faut y croire. Il y a large le temps d'en mettre 3. Le kick-off. Une démo, on voit pas ce qui se passe. Okay, la balle était dégagée. Allez les gars, faut pousser là. Rizex, contrée. Oh lolo. Oul. On n'est pas dedans. Ah là, c'est comme tu disais pour l'équipe d'avant. Vu qu'ils sont menés 2-0, on essaie de marquer au maximum, mais du coup, derrière, il y a beaucoup de trous. J'arrive pas à 3-2, sérieux, désolé. Tu prends ta petite voix comme ça, Ah, t'inquiète. Tu décèles pas. C'est bon. Sérieux. On va perdre
Deuxième match. Ça joue sur le seed, hein. Après on a déjà fait des runs en seed 16 gagnant de régional. Mais ça dépend de la manière en fait. C'est dur à voir. Et ils sont partout dans le milieu de terrain. T'arrives pas à juste dégager la balle et se faire des passes. Regardez, attends qu'il y a la balle. Et comment c'est contré. Attira qui va faire la passe derrière, la back passe à Arise. Et là ce match a l'air un peu cuit les amis. Alors focus sur le sur un reverse hein. Un reverse sweep. Va falloir reverse sweep 0-2. Le Crambuck qui peut nous sauver Vivien. Où c'est où le stream FNC? Est-ce que les modos peuvent le mettre en épinglé? C'est chez Oslo. Et juste après ce sera ici. O-S-L-O. Oslo. Ce sera ici juste après. Tout est au cast, 0% de bête, c'est faux. Allez, dégage! Regarde! Merci de m'avoir suivi. Dehors, parce qu'on est. On est à deux doigts de l'élimination, t'es un ouf toi! Moi, c'est moi qui joue. C'est toi qui joue! Les gars, reverse sweep, c'est maintenant, frère. Sors là, allez, ferme la porte aussi derrière toi. On perd 2-0 le BO5. La porte. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous allez assister à un reverse sweep de suite. 3 games d'affilée. Pas le choix, dos au mur. Pourquoi t'es méchant? Bah frère, c'est mon gars quand même. Je suis obligé d'être méchant les gars, on est dans la merde là. On est dans la merde, imite Mickey. Mais je sais, personne n'a jamais entendu Mickey parler les gars. Je sais même pas ce qu'il fait Mickey. C'est parti les amis, on est mené 2-0 par Sou. La dernière équipe qui nous a éliminé, pas éliminé mais envoyé en loser bracket d'un open qualifier, eh bien c'est cette même équipe. C'est cette même équipe, même si on avait gagné le régional. On sent que là, on est fébrile dans le jeu, fébrile. On n'a toujours pas recover depuis le Major. Allez, Vatira, tout de suite, est-ce qu'il peut trouver une passe pour Ryze? Non, Ryze a commit. Atto, dernier défenseur qui va commit aussi. On va prendre des risques, Rizex, qui va bloquer la balle. Le pinch de la part de Teko, cette balle, elle arrive au milieu de terrain. Mike Boy, il va tenter une double tape pour faire une passe. Mais il n'y a personne qui commit, on le sait, on prend notre temps. Pour remonter le ballon, Atto qui va aller récupérer son boost en plus. Il est possible de faire un move solo, il va passer un joueur. Il va dunk ce deuxième joueur, Mike Boy. Il va trouver son challenge, il va essayer de remonter ce ballon. Il est rush par Vatira, Rizex depuis le côté gauche. La passe, elle est cut par Ryze au milieu de terrain. Elle est recut par Rizex en deux temps. Attention, Atto qui passe en dessous. Il n'a plus de boost, il y a une passe, middle. Atto qui attendait la touche justement, la double tape potentielle bloquée par Tekoz. Personne ne va aller sur ce ballon, toujours pas, c'est Vatira qui va y aller finalement. Trouve une passe backboard, il n'y a personne qui peut suivre, ce ballon il est raté mais ça a fait avec tout le monde. Atto la démo, la frappe et c'est l'ouverture du score. Fortnite, il y a Oslo qui casse les amis sur sa chaîne. Ouverture du score là, très bon follow-up de la part d'Atto qui trouve la démo pour le joueur. À qui était destinée la passe. Et derrière, bah, il récupère le ballon parce que c'est le sien, tout simplement. Ouverture du score. Mais il reste 3 minutes 48 à jouer. Vatira qui ne pourra pas faire son move. Il est bump instant. Il avait énormément de boost en plus. Contrôle de la part de Ryze au niveau du backboard. Il va aller chercher son reset via le ceiling. La passe pour Vatira, la redirect. C'est arrêté par Teko sur la ligne. Ryze qui contrôle. Il va trouver un pop. Il ne pourra pas plus. Rizex. Atto qui va aller le challenge. Il ne va même pas trouver un petit bump là-dessus. Là, c'est un peu dur. La passe, elle est magnifique. Mais on a deux défenseurs. Vatira et Ryze. Vatira qui a laissé le ballon à Ryze. Vatira pour Ryze. Le 1-2, encore une fois, au milieu de terrain pour monter la balle. Dommage. Ça finit juste sur la barre. Ryze qui va fake, qui va se retourner. Ça, c'est bien joué, ça. Il a complètement chamboulé la défense adverse. Mais Rizex va remonter le ballon. Vatira qui va pop. Personne pour suivre. Ekoz qui va prendre tout son temps depuis le backboard. Il va clear ce ballon. Atto qui va la laisser à Ryze. Mais il se fait rush par Rizex, donc c'est un peu dangereux. Là, c'est bon, Ryze il va pouvoir partir en air dribble. Il est cut par Mike Boy dans son dos. La passe de Vatira pour Atto qui va contrôler. Il va essayer de fake. Dommage, c'était bien vu. Ryze tout seul au milieu de terrain. Il a un duel, un contre un à jouer. Non, il y a un retour défensif.
qui est arrivé, Vatira. Il va continuer de mettre la pression, Ato, blocage au milieu de terrain, en deux temps, en trois temps, il va continuer de pousser, il va aller jouer son 50. C'est bloqué par Tekoz. Vatira, attention, Rise là, très bonne opération au milieu de terrain. Contrôlé par Rizex, mais il n'y a pas de puissance dans la balle, il n'y a pas de vitesse. Ato qui va du coup le bloquer. Ça revient sur le backboard, Vatira qui commit, c'était le dernier défenseur, Rise. On n'a pas vu, il y avait la voiture de Vatira qui cachait Ato. Il y a un solo play là. Ato qui a un solo play. Vatira qui part à la démo. Mais il n'arrive pas à passer le premier rempart de la défense. Dessous. Attention, Rizex. Il part en air dribble, non. Et s'est trouvé un pop. Ato qui va pas se faire avoir. On n'a pas pu voler le boost. Il n'y en avait pas. Vatira qui va se faire cut. Là, ça c'est dangereux. Ce ballon, il est loin devant. Il y a une double tape potentielle. C'est contré. Élu par Ato. Mais c'est pas fini. Rise. Il y a un duel important à jouer là. Vatira sur le backboard. Qui va pouvoir tirer cette balle. Allez, la team. Ok, ça n'a pas touché. Rice qui va la mettre devant. Il y a eu un retour défensif hein, de la part de Mike Boy déjà. Il a du boost. Il va être sur le backboard. Il va s'envoler. Ato qui va le cut. Rice qui va jouer son 50. Ça rebondit sur le corner. Vatira sur le backboard. Bloqué par Rice. Attention, Vatira. Il a essayé de trouver une redirect. Il n'en était pas loin. Malheureusement, ça n'a pas connecté. Vatira sur le backboard. Rice qui s'envole. C'est bloqué par Rizex encore une fois. Allez, Vatira, il va jouer son 50, Mike Boy, sur le backboard, Ato est présent, la passe elle est dure, heureusement Tekoz ne connecte pas, Rise, allez pour la contre-attaque, il faut faire le break, il reste une minute de jeu, il faut se donner un peu d'air, tout simplement, allez, Vatira qui contrôle, Rise qui s'envole, Vatira qui peut suivre ce ballon, mais Rizex était déjà là-bas, il avait pré-jump, oula, attention, Rizex là il nous fait du mal. C'est bon, Rise. Une démolition de la part de Ato. Vatira qui va jouer son 50. Il est très bien pris. Il a encore un peu de ressources. Là, il va passer un deuxième joueur. C'est magnifique. Il va essayer de trouver un bump. Il va trouver un bump. Malheureusement, la rotation a fait qu'il y avait un quatrième joueur qui était le premier joueur éliminé. Attention, Tekoz. Le pop sur le backboard. Rise qui doit commit. C'est dur, hein. C'est dur. Ce match n'est pas facile. Je sens qu'on est, pas bien là psychologiquement. Suite aux deux premières manches. Ato, double tap potentiel, pas possible. Les cas, il y avait de la défense. Rise qui va cut, 10 secondes. Allez, là, faut tenir. On n'aura pas le break. Attention, le cut de Rizex. Chercher un bump sur Ato. On va envoyer ce ballon côté opposé. Une seconde. Il peut le soulever encore, Tekoz. Allez, c'est bon. Let's go. 2-1. On revient. Petit à petit, ça part de là. Ouais, mais c'est pas encore très, très convaincant. On a trouvé notre but, on a bien défendu, c'était carré. Mais on doit faire mieux que ça. Two more. Va cast Fortnite. Juste après. C'est que le début. Au calme. Et quand on galère versus sous, bah vous n'avez pas regardé la saison du coup les mecs parce qu'on a. Justement, déjà perdu en open qualifier contre Sou. Et Mike Boy et les siens, c'est des joueurs qui sont là depuis longtemps et qui sont bons. Et Rocket League, des fois, c'est pas tout le temps en ta faveur. Let's stop that way. Stop that way. Let's stop that way. I'm my friend. Say O-V-O. Si on perd, c'est fini. Non, loser bracket. On a déjà été exactement dans la même situation, les amis. Mais j'ai pas envie de revivre cette situation. Allez, ça repart. Kick-off. On va fake pour Rise. Oula, attention à ce contre. Rise, non ! Ça venait dans son dos. Parce qu'il avait le boost hein, pour y aller. Là, il se fait contrer. Le contre nous met dans de beaux draps. Il n'a pas commis directement sur cette balle. Ça venait dans son dos à fond la caisse. Et du coup, on va prendre un but en 5 secondes. C'est pas grave, on va mettre un kick-off maintenant. Oh putain. Attention, Rise. Ça va sur le backboard. J'y ai cru, même moi, frère. Oh, la frappe. La frappe juste sur la barre. En tous les cas, on avait de la défense. Vatira qui va trouver un bump sur Tekoz. Allez, Rise qui va la pop, elle tombe, elle est toute lente.
Malheureusement, elle n'est pas cadrée. Elle était bien cette balle de la part de Ryze. Il n'y a personne pour la doubler. Vatira qui passe tout le terrain là. Ato qui va jouer son 50. Mais il va se faire démo. Il a tué la balle, hein, il me semble, ouais. Mike Boy va pop cette balle. Vatira par un dribble. Il passe au-dessus sur le backboard. La passe est magnifique pour Ryze qui va égaliser directement. Ça, c'est bien. C'est un beau but. C'est bien construit. Là, on voit Ryze qui décale. Vatira, Vatira qui part en air dribble. Il gagne son duel. Il trouve une passe sur le backboard. Et Ryze qui termine. Il était au début de l'action et à la fin, à la finition. 4 minutes 13. Le match est encore très très long. On est au tout début. Allez, Ryze. J'aime bien là. Ça, c'est une belle action collective, individuelle, parce que tout le monde a dû remporter ses duels. Ato. Il va contrôler, il ne pourra pas récupérer son boost. Il va passer ce joueur qui a préféré jouer le boost justement. Mike Boy qui va trouver un très bon 50. Mike Boy il nous fait chier avec ses 50 là. Des causes en 2-3 temps, personne ne peut suivre. Mike Boy qui va se retourner. Là ils ont pris les mid boost, ils ont pris notre boost. Rizex la frappe, personne ne pourra faire l'arrêt. Là ils nous ont fait trop trop mal. Parce que là regardez, Mike Boy il récupère le mid boost. Là il y a le back boost, Ato qui se trouve. Et Rizex du coup qui est laissé tout seul. Allez, la team. Ok, petite feinte. Ryze, on va pas toucher ce ballon. Mike Boy qui va la pop. Ekos qui va se retourner. Vatira, il passe au-dessus. Il va aller jouer son bump à la fin. Mais il avait plus trop de boost. Mike Boy avait déjà sauté. C'était téléphoné comme move. Oh non, ça va finir sur le poteau. La frappe d'Ato sur le poteau. Vatira. Est-ce qu'il peut faire mieux? Non. Compliqué. On a tout donné là, on a plus de ressources. Rizex, il a pas fait tout le terrain comme ça, frère. Il y a personne qui est revenu. Ouais, je me disais, on a triple commit, mais il y a forcément eu un retour défensif. Malheureusement, non. Tu vois, il s'est fait bump, Vatira. Je sais pas comment il était dans les airs ou il s'est fait fake. Il faudrait que je revoie l'action. Allez, il reste 3 minutes. 3 minutes. Il y a largement le temps. Il faudrait un petit. Petit but rapide là comme au début du match. Mike Boy, la passe pour Rizek, ça va du côté opposé. Vatira qui va récupérer son boost. Il va passer en dessous. Ryze. Attention Mike Boy. C'est bloqué. Très très haut. Corner droit. Ato il a plus de boost. On va laisser à Ryze. Il va se faire démo. Tekos. Il va pop la balle. Aïe 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 aïe. C'est dangereux là les frères là. Là on est pas dedans là. Là on n'est pas dedans là, c'est dangereux. On perd nos duels. On n'a pas les bonnes rides. Allez. Il faut se relancer. Vatira. C'est bloqué par Rizex. Il attendait pile dans les airs. Je dirais que ça lui coûtait même pas de boost. Est-ce qu'il va récupérer le back boost? Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Vatira qui va cut cette passe. Normalement il peut continuer avec ce ballon. Il va continuer avec ce ballon. Il va passer Rizex ici. Il va trouver un pinch. Ça va côté opposé, mais personne n'est disponible. Ryze va bloquer ce ballon au milieu de terrain. Mike Boy qui va la mettre devant. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? La caméra va me faire vomir. Ryze, le 50. Ça va sur le backboard. Ato, c'est bloqué par Tekos. Vatira. Allez, Vatira, oui, le fake, c'est bien. La passe, magnifique pour Ryze, c'est sur le backboard. Ato, il pourra pas commit. Il a commit, je crois. Allez, Vatira. Un flip reset, la frappe, c'est bloqué. La passe de Ryze peut-être, non. Ekos qui va faire l'arrêt. Et attention les gars, il reste plus qu'une minute 37. On n'est pas loin là de repartir en loser bracket. La frappe sur le poteau, il y a Ryze qui va venir finir. Une minute 30 pour un seul but. Allez, j'ai vu Vatira. Il est en train d'envoyer des indications. Regardez, il est en train de parler. Il enchaîne, je sais pas ce qu'il raconte, mais c'est bon signe. C'est bon signe. Ok. Dommage. C'est contré. Ryze, il a du boost. On est avantagé là, normalement, dans la situation. Vatira. Il va fake. Il va fake pour Ato. La frappe, elle passe juste à côté. Tekos, dans tous les cas, était prêt à faire l'arrêt. Le pinch. Essayer d'avancer le ballon. Ryze. Tekos qui va faire son retour défensif. Ato qui arrive maintenant. Ato avec le ceiling. Ato qui va fake. Vatira. Il avait commit aussi. Justement, c'était un fake pour Vatira. Attention, ce ballon il est lent. Ato, là il faut remonter le ballon, il faut être directement dangereux. Il faut directement être dans le danger là. Ne plus se permettre de perdre de temps.
Non. Vas-y, il a pas pu. Il va la retoucher maintenant. C'est bien finalement. La démolition. Il va bloquer tout le monde. Atto. Je crois que c'est fait cut aussi. Par le retour du premier joueur dépassé. Batira qui pourra pas bloquer ce ballon là. Atto qui va se retourner. Attention, le contrôle là, il est un peu trop loin, trop large. Atto qui va contrer ici. Il reste 30 secondes. Batira. Atto sur le backboard. Allez, Rise. Il va jouer son 50. Rise. Le pop, la passe pour Batira. Il y a Atto qui peut venir maintenant pour trouver une frappe. C'est arrêté, on va se retourner. Batira sur le backboard. Rise qui s'envole. Non. Le ballon, il a pas bien rebondi. Là, il n'y a pas eu de passe finalement. Rise. Batira. Donc ce ballon ne touche pas le sol. On est toujours en vie. La passe pour Atto. C'est bloqué. Teko sur le backboard. Et là, ça va être dur. Là, ça va être dur parce qu'il va tout faire pour la drop. Et il va la drop. Et on va aller en loser bracket, les amis. On va aller en loser bracket. Comme la dernière fois, les sous nous font tomber. On va aller en loser bracket. Là, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur, mais la dernière fois que ce scénario est arrivé, on a gagné le régional derrière. Non, mais mec, il faut rester concentré. La journée n'est pas finie. La journée n'est pas finie. Ça fait chier, on n'a pas bien joué. Ouais, ouais, on n'a pas bien joué. Hein. On n'a pas bien joué du tout. Laisse-moi voir. Laisse-moi voir. Attends, on est quoi? On est censé être... Parce que normalement, il y a des... il y a des lettres, frère. Bon, la dernière fois, j'avais dit, je sais pas comment ça marche ici. Maintenant, je sais, on l'a déjà fait. Hein. C'est quoi, BS? Ah ouais, nous, on est Q. Winner of Q. Loser of Q. Winner of BQ. BQ, c'est ça. Il y a Top Cougars, c'est une équipe qui a fait les RLCS. Vision eSport, je sais pas c'est qui. Pentaco, c'est OGC FC. Ouais, il y a moyen que. Il y a moyen qu'on affronte. On affronte Top Cougar. Bizarre l'ambiance depuis le Major. Après, une glissade en Open, ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver. C'est déjà arrivé. C'est exactement ce qui s'était passé la dernière fois. La méta, la honte arrive sur RL aussi. Non, mais la méta, la honte, c'est juste des abrutis parce que. La dernière fois, ils ont écrit la honte et après, au régional, c'était normal de gagner pour eux, tu vois. Reste un jeu de forme, RL, ouais, là, on est en méforme, c'est clair, tu vois. Il n'y a personne qui dit qu'on joue bien, mais pas exagéré non plus, tu vois. Mais du coup, là, on va devoir attendre pas mal de matchs, là. On était au prime au début de la saison, il faut retrouver cette hype. Mais même lors de notre prime au début de la saison, on a eu le même scénario, les mecs. On a eu le même scénario. On a eu le même scénar. Après, en fait, les mecs qui vont exagérer de fou malade. Bon, tu vois, on dit pas qu'on joue bien et tout, mais les mecs qui vont aller vraiment très très loin et utiliser des termes de fou malade. C'est des mecs qui n'ont pas regardé tout simplement. Ils n'ont pas regardé tout simplement. Mais du coup, ils utilisent des termes de fou malade alors qu'ils n'ont pas regardé. Du coup, c'est contradictoire. Juste. Oh! But! Putain, j'ai amené le but! Doucement, wesh. J'ai amené le but, les mecs! Bah ouais, Blue Side, on ouvre le score!
Cram buff. Ouverture du score de Cram, frère. T'as bien fait caca. Non, mais les gars, je vais pas tout le temps chier, frère. Des fois, je dois appeler des gens. Des fois, je dois aller voir des gens. Oh. Oh. Ah, il l'a touché, Vatira. Ouais, ça a pinch, ok. Je me suis dit, wesh, comment il a pu la rabattre de l'autre côté? Ça a pinch. Putain. Non. Bah si, il y a eu le bruit, wesh. Il l'a touché, il l'a touché. Ok, Ryze, le flip reset. Non, il a pas pu la suivre, Vatira. Ryze qui va trouver le bump. Simas qui va venir aider. Allez, attention, Vatira. C'est contré. Ryze qui s'envole. C'est bloqué. Atto qui va pouvoir y aller maintenant. Il va se retourner, quel contrôle, il va y aller. Est-ce que quelqu'un peut suivre cette balle? Non, c'est Relaxing Wave. Il va l'envoyer loin. Ryze qui contrôle. Il va pas pour trouver son 50. Enfin, je crois que c'était Atto. Enfin, faut juste que j'augmente un peu le son. J'entends rien, frère. Il est trop fort, Malibuka. Il s'est passé quoi? Non. Ça, c'était sûr qu'on a arrêté ça. Allez, Ryze. Pop la balle. Je regarderai après, les gars. On va tirer à la démo. Parce que là, on est dans la merde, les gars. Relaxing Wave, il date là, oui. Ouais, t'as un endpoint à l'époque. Ryze, il la pop. Quelqu'un peut la toucher? Non. Non, 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 elle était trop haute. Après, il pouvait pas faire autrement, Ryze, avant la démo. Le flinch pour avancer ce ballon. Relaxing Wave qui s'envole. Ryze qui va bloquer ce ballon. Vatira qui va pousser. Attention, accro, le bump. La part de Vatira, Atto qui remonte le ballon depuis le milieu de terrain, il va la pousser, il n'y a personne pour finir. Et il y a le retour défensif surtout de la part d'Acro. Vatira la frappe, la démo, il s'est but. On n'a même pas vu le but tellement c'est allé vite. On fait top 12, on a combien de points? Dites-moi les points surtout. Top 12, ils ont fait 10 kills. Ouais, c'est trop. 181. Ah ouais, quelque chose. Ok, la frappe, dommage, bloqué. Accro qui pousse la balle. Attention, hein, parce que là, ils le suivent d'en dessous. Ils vont aller chercher des bumps de partout. Ils vont essayer de lui ouvrir le chemin, mais Vatira va faire l'arrêt sans trop de soucis. Attention, le fake de la part de Sivas. Atto qui va bloquer. Ryze qui va pouvoir envoyer une passe sur Vatira. Il va pouvoir la remettre devant, mais il n'y a personne pour remonter le ballon. Là, on a dû le faire en catastrophe. Attention, la passe était bonne. Accro qui n'a pas connecté. Ryze depuis le backboard. Il va pousser cette balle, il va trouver un pinch, il va essayer de la retoucher, oui. Atto, qui va avoir une défense difficile à gérer là, non c'est bon, elle est envoyée sur le backboard, si elle est difficile, Accro, qui va envoyer une double tape. Je pensais qu'il pouvait la voir, Atto, sur le backboard. Je sais pas s'il a raté sa ride ou si c'était juste trop rapide, hein, elle était trop loin, elle était trop loin. Elle était trop loin, je pensais qu'il allait la voir sur le backboard, mais Accro, il l'a bien envoyé, bien excentré. Comme ça, il est sûr qu'elle revient, et qu'il ait l'opportunité de faire sa double tape. C'était bien joué en vrai mécaniquement. Ouais, je suis accro, frère. Accro, frère. Et une passe de fou de la part de Relaxing Wave. Ça a pinch sur Ryze. Passe laser. Et du coup, ils vont marquer directement après le kick-off. 3-2. Là, on n'est pas bien. Plus de sourire dans notre équipe. C'est normal, là. On est dans le mal, là. On est dans les eaux troubles. Ryze, normalement, elle est pour toi. Il va jouer son 50. Il va récupérer le boost. Vatira qui va se retourner. 1 minute 50 de jeu encore. On est cut instant. En fait, là, on est. Les équipes en face, elles savent qu'elles peuvent nous battre maintenant. Elles sont en full confiance. Elles tentent des trucs de fou. Et nous, on est dans le mal. On est dans le mal. Vatira sur la ligne. Accro qui revient. Il n'y a personne. Atto qui va faire son retour défensif. Sivas la frappe sur le backboard. Elle est doublée. Et Accro qui va mettre son quadruplé. Non, là, on est vraiment dans l'eau. Là. On est vraiment dans l'eau. Là. On est vraiment dans l'eau. Et en face, ils ont les mains en feu. 1 minute 30. Il faut aller trouver l'égalisation. Allez, la team, là, faut... Là, il n'y a plus le temps, là. Là, il n'y a plus le temps. Faut pas donner des maps. Ryze. Ryze pour finir, s'il te plaît. Non, c'est bloqué. La team wave, il a une bonne def là-dessus. Atto sur le ceiling. C'est bloqué par Accro. Atto qui va récupérer le boost, il va revenir. Elle est où cette balle?
Sivas sur le backboard pour Vatira, mais il est défendu ce backboard. Rise qui va pouvoir suivre le rebond est favorable pour nous. Le clear était pas bon de la part d'Acro. Ok, 4-3, 1 minute 05. Et là je veux revoir. Je veux revoir notre côté clutch là. Je veux revoir notre côté clutch. Attention. 1 minute 05. Parce que là même dans le match d'avant, il y a plein de fois où on aurait pu revenir, où on aurait pu aller chercher cet extra but. Mais il est jamais arrivé. Au début de la saison, on le trouvait tout le temps. T'as l'impression que cette équipe ne pouvait pas perdre. Là, ils ont trouvé une brèche. Attention. Vatira va prendre son temps, il va se retourner. Il va pop la balle, il passe au-dessus. Il contrôle maintenant. Bloqué par Acro. Simas qui va la mettre devant. Ato. En deux temps, oui, c'est bien joué. Rice qui arrive derrière. Il n'aura pas trouvé de bump. Vatira, il va contrôler. Elle est pop. Ato qui s'envole. Loin devant, peut-être. Non, il va la garder. Il va contrôler. Il va jouer son 50. Rice qui va jouer son 50 aussi. Malheureusement, c'est Simas qui va être premier sur la balle. Rice qui va continuer. Il pourra pas. Il se fait rush. Non, le 50 là, il doit être pour nous là. On va trouver une backpass peut-être. Non, Acro qui va suivre. Vatira qui va devoir se retourner. Il faut trouver le but là. Mais on n'a pas la balle. Rise, il a pas de boost. C'est bien là. Ça, c'est bien de la part de Rise. Ato qui arrive de l'autre côté pour Vatira pour la redirect. Non. Il n'y a pas assez de puissance sur la frappe. Pas assez de puissance dans la balle. Pas assez de vitesse. Allez, ce ballon, il touche pas le sol. Est-ce qu'ils ont du boost? Ils ont du boost. Il va toucher le sol. C'est 1-0. En vrai, dès que tu rates la première action, c'est en général quasi impossible. Parce qu'en face, ils vont aller chercher du boost. Ils vont se mettre bien. Et après, c'est quasiment impossible. 4-3. Acro qui nous a mis un quadruplé. Hein. Quadruplé. Mais même au niveau des tirs et tout, ils sont à 12 tirs à 6. Il n'y a rien à dire. On se fait dominer. Même avant, quand on perdait des maps, des matchs. On donne la confiance pour me détruire. Non, là. Là, on n'est pas bien, les gars. On n'est pas bien, les gars. On n'est pas bien du tout, les gars, là. Il faut pas que ça rentre dans nos têtes. Rise, la frappe. Ouais, c'est bon. Je vous ai dit, ils vont faire l'arrêt clutch. Et quand. Là, ils font cet arrêt clutch. Et là, tu commences à dire, mais frère, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Là, je me suis dit, il va la tirer sur le poteau, il va la sortir. Et après, tu commences à douter. Il faut pas qu'on doute. C'est bien. Ouverture du score en 5 secondes de la part de Rise. Allez, Rise. Ça va de l'autre côté. C'est Acro qui va contrôler. Il a gardé toutes ses ressources. Il prend son temps, mais le move ne sert pas à grand-chose. Vatira qui va juste attendre pour ensuite pousser le ballon. Ato. Attention, Simas, Rise qui va jouer son 50. Est-ce que quelqu'un peut suivre? Oui, deuxième 50. Simas qui va récupérer ce ballon juste devant lui. Très bon bump de la part de Vatira pour cut. Ok, le pinch de la part d'Ato. Il est superbe, Rise. Il n'a pas tiré direct. Il a vu qu'il y avait de la défense. Peut-être que la balle était trop rapide aussi. Parce que normalement, là, je pense qu'il tente une frappe quand même. Hein. Il est 1v1 tout seul. Je pense qu'elle était trop rapide avec le pinch, la passe. Et l'égalisation. Aïe, aïe, aïe. Parce que là, tu n'y as rien à dire, frère. La passe, elle est bien. Hein. On est battu. Hein. Acro, il est trop bien placé. La frappe, elle est trop bien placée. C'est juste que là... je pense que la balle, elle est trop vite pour Rise devant les cages. Avec le pinch. Voilà, Ching Wave. Trouve une passe sur Simas. Vatira qui va faire l'arrêt. Ce ballon, il est très dangereux encore. Heureusement, Vatira... Je sais pas par quel moyen il arrive à la sortir. Voilà Ching Wave sur le backboard. Ato. Attention, Simas. Wow. Ah, on est vraiment pas bien, frère. Défensivement, on n'est pas solide là. Ato, il voulait la mettre dans le corner pour qu'elle aille devant, mais il l'a envoyée sur le mur. Elle est revenue droit sur le joueur. Free shot. Personne pour le contester. Allez, Vatira. Il passe au-dessus. Dommage. Acro qui va faire l'arrêt. Il avait gagné son duel, Vatira. Il avait gagné son duel
Accro. On va la mettre sur le backboard, la double tape. Non, mais les gars, wesh. Ça se voit même dans leur visage là, c'est juste on subit là frère. On subit. Une action, un but frère. Une action, un but. Et Ato qui va contrer. Batira. Il va fake. Il va se retourner. Allez, quelqu'un pour finir s'il vous plaît. Attention à la contre-attaque maintenant. Wesh. Mode spec, il a bug tellement il y avait de gens autour de la balle. Ryze qui passe au-dessus. Ryze n'aura pas trouvé de bump, il avait zéro boost. Relaching wave. 3 minutes 12, il y a le temps les gars. Il y a le temps. Il y a le temps, mais faut jouer. Ryze, 13 de boost. On va pas faire mieux. Ok, Vatira. Le 50. On aurait pu faire une passe magnifique ce 50, mais impossible de s'y attendre. Impossible de lire la balle à cette vitesse. Ryze, c'est bloqué. Allez, Vatira. Allez, Vatira. Voilà, Chingwave, il a sauté. Il l'a vu. Il va prendre son temps du coup. Il va trouver une passe magnifique pour Ato. Très, très bien joué. Ça, c'est bien, Vatira. Ça, c'est bien. On a besoin de toi, chef. Là, Relaching Wave, il a sauté beaucoup trop tôt. Vatira, il a adapté son move. Il trouve une passe et Ato qui trouve la finition. Allez, les gars, 2 minutes 39. Il y a largement le temps. Faut pas qu'on les laisse prendre deux maps dès le début du BO. On se rajoute de la pression. Déjà qu'on n'est pas bien, là. C'est très, très dur de retrouver la confiance. Allez, Ryze. Il va jouer son 50. C'est bloqué. Il va récupérer le boost, c'est rebloqué. Ato qui pop la balle. Elle va côté opposé. Simas qui va contrôler. Ryze qui va se retourner. La frappe d'Ato. Double arrêt. C'est bien, double commit. Hein. Double commit, Vatira qui va essayer. Il a fake, magnifique Vatira. C'est bien. Allez les gars. Allez les gars. Allez les gars. Si on se qualifie dans la difficulté, c'est pas grave. Il y aura le temps. Il y aura le temps de se remettre dedans, mais faut absolument se qualifier. Hein. Il n'y a pas de... aucun doute là-dessus. Du caractère, exactement. Là il faut porter ses couilles, attention. Ouah, Batira, il s'est fait fake sale, frère. Dégoûté, frère. Dégoûté, wesh, laissez-nous 5 secondes, Zabi. Ah, il l'a tué. Ah, il l'a tué, frère. Ah, il l'a tué. Ah, il l'a tué, frère. Ah, il l'a tué, hein. Quand on fait ça en face, premier à crier, là, il l'a tué. Ok, Ryze, il va contrôler. Oula, attention, il se fait rush. Ato va faire la défense. Vatira qui a esquivé une démolition, là. Il voulait remonter le ballon. Ok, ils ont double commit, là. On peut peut-être en profiter. Non, il va quand même toucher la balle. Double commit de notre part aussi. Ato qui récupère ce ballon. Droit dans les airs, il pourra pas. Après, job de la part de Relaching Wave pour défendre. Démolition de Simas. Vatira qui va fake, qui va passer en dessous. Malheureusement, il a pas de boost. Il va la laisser à Ato. Ok, on la bump sur la balle. Est-ce que quelqu'un peut intervenir? Non, il a du boost encore. Relaching Wave. C'est une bonne gestion de boost. Ok, ça drop. Il va se retourner accro. Putain, la passe, elle était très dangereuse là. L'action, elle était super dangereuse. Vatira qui pourra pas retoucher ce ballon. Ryze qui va pop la balle. 1 minute 08. Allez les gars, allez les gars. Il faut trouver le but maintenant. Ok, Relaching Wave. Il envoie loin. Vatira qui va se retourner. Il s'envole. Il se fait bump. Ato. Vatira la passe pour Ryze. La frappe directe. Ato le 50. Ato qui se retourne. Il va bloquer en marche arrière. Mais Relaching Wave... il va complètement l'ignorer ce bump. Et pas assez de vitesse. Vatira qui va trouver une démo normalement. Oui. Ato pour la double tape. Encore une fois, Vatira. Au départ de l'action. Qui fait la différence. Il bump accro. C'est bien suivi par Ato. Allez. 34 secondes. Terminez-moi le travail maintenant. On a eu chaud ça. Mais terminez-moi le travail. Allez, Ato. La démolition, Vatira qui va contrôler, Vatira qui va se retourner. La balle elle est pop. Voilà, Ching Wave sur le backboard, Ryze qui va le rush.
Tira qui va faire l'arrêt sur la ligne. Atto, c'est bon, il est bien placé. Ryze, il va l'envoyer devant. On va les forcer à sauter, mais ils gardent leurs ressources, hein, ils sont malins. Ok, Atto qui va le rush du coup. Vatira, le 50, Vatira, la passe peut-être. Le reset, Vatira! Tout seul! Incroyable, frère. Non, les gars, le niveau de jeu qu'il a montré dans ce match. Eh, je suis choqué. Il a. Eh, on était dans le mal, on était méconnaissable. Il a dit la vie de ma mère. Vous êtes des fous. On va pas perdre ce match. On va pas perdre ce match. Ceux qui ont douté à 3-1, ouais. Bah après, les gars. on était vraiment dans les eaux troubles. On était en train de se noyer, là. Et il a dit non, c'est mort. Impossible que je perde ce match. Arrêtez de nous faire douter. Non, mais les mecs qui ont douté, c'est normal, ils doutent, frère. Ils étaient dans le mal de fou. Ils étaient pas bien. C'était pas bien. Même moi, j'étais pas bien. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe? Même les joueurs, ils ont dû douter. C'est pour ça qu'on joue de moins en moins bien. Allez, les gars. Faut reprendre confiance en soi. Et quand t'as un mec qui fait une perf comme ça dans le match, ça te met bien. Tu sais que tu peux compter sur lui. On a douté, on perd jamais confiance. Exactement. Il y a une différence. Que Ryze et Atto se mettent plus en confiance, là, Vatira ramène de la sérénité. Exactement. Exactement. Allez. Game 3. On s'en bat les couilles de ce que pensent les autres. On va se qualif. On va revenir à notre top niveau. C'est quoi ce skin dégueulasse? Et Vatira. Loin devant. Oula. La vie de ma mère, ils ont des vrais pass infield et tout. Hein. Ils sont dangereux en face offensivement. Défensivement, il y a des lacunes. Mais offensivement, ils trouvent des trucs. Ah, c'est pour aller où ce skin, frère? Fini Fortnite, il y a eu la troisième game. Non, mais il y a encore une game, non? Dans tous les cas, je pourrais pas cast avec Oslo. Ce sera fini. Oh là là. Oh! Et c'est bon, il a fait l'arrêt. Il a fait l'arrêt. Allez, Vatira. Le 50, c'est bloqué. Non, c'est fini, ok. Il y a déjà eu les 3 games, ok. Dommage, Atto. C'est arrêté par accro. J'avais pas crié là-dessus parce que j'allais faire l'arrêt, c'était évident. Allez, Vatira qui va cut cette passe, c'est magnifique. Atto qui va suivre derrière en deux temps. Vatira qui va pousser. C'est bloqué par la Ching Wave. Et une démolition. Personne pourra récupérer ce ballon chez nous. Atto qui va devoir aller au duel justement. Il va se faire démo aussi. Bloqué au milieu de terrain. Ah, heureusement. Heureusement, il s'est loupé là sur la passe. Ils sont mal compris. C'était dangereux cette passe. Infield au ras du sol. Vatira, le flip reset. C'est bloqué par accro. Ryze qui va se retourner. Il veut foutre la merde entre les trois joueurs. La passe d'un part d'Atto. Elle est magnifique. Ça va sur le backboard. Est-ce qu'on peut trouver un bump? Vatira qui va la remettre sur le backboard. Il va faire qu'une double tape. Ryze qui intervient malheureusement. On ne trouvera pas de but. Manque de vitesse, manque de puissance dans ce ballon. Waouh, la passe d'Atto, elle était. C'était quelque chose. Hein. Attention. Simas. Dangereux là depuis le ceiling. Atto. Et allez, Vatira qui va largement gagner son contre. Le dunk, le fake pour Atto. Dommage, dommage. Vatira en plus qui revenait dessus au cas où Atto ne trouvait pas le but. Allez. Attention, Relaching Wave, il la met devant. Ryze qui pop. Ryze qui va jouer le contre. Atto. La passe. Ryze qui va contrôler. Il a 20 boosts, hein. Il pourra pas faire des miracles, il va passer Relaching Wave assez simplement. Malheureusement, il ne pourra pas suivre ce ballon. Atto. Un flip reset peut-être? Non, difficile, difficile. Il va se retourner, Atto. Elle pop. Ryze, Simas qui passe au-dessus. Relaching Wave qui contrôle. La balle va tirer, il va la contrer. Ryze qui va lui remettre. Le contrôle, dommage, accro. Il va quand même lire ça et faire l'arrêt.
Allez, la passe de Hato pour Ryze. Vatira qui revient. Reste 2 minutes de jeu. Vatira depuis le ceiling. Non. Compliqué, accro. Là, on les fait douter là en défense. Là. Ils n'ont pas les meilleurs clears, ils n'ont pas les meilleures balles. Encore une fois là. Vatira qui va arriver maintenant. Vatira sur le backboard, c'est clear cette fois. Allez, Hato qui peut s'envoler. Sima, c'était premier sur la balle. Vatira, dernier défenseur. Il va décaler sur Ryze. Accro. On va remettre devant, Relaching Wave qui va la pop. Malheureusement, Hato qui va intervenir. Hato bloqué par Simas. Vatira qui va se retourner. Démolition, où est la balle? Vatira qui va aller contester accro. Hato il a pas de boost. On vient de se faire voler le boost, c'est dangereux. Ryze, on a besoin de toi. Ryze qui va faire le stop. Simas qui trouve un flip reset. Pas grand chose. Relaching Wave qui va se retourner. Il est full boost au milieu de terrain. Hato, wesh. J'ai kill. J'ai kill chef. J'ai kill chef. Ah, je dois enlever le son, sinon c'est horrible. Attends, mais comment c'est possible? Ah, j'ai le stream de Oslo, c'est vrai. Merde, bah putain, il reste une minute frère, je peux pas. Il vient de me raid, merci Oslo. Attends deux secondes. Mais comment j'avais pas le son? Et Zarma, ça m'a remis le son. Désolé. Il t'arrête. Ah, je pensais là, les castes, les lowers et tout, moi. Dans tous les cas, on pouvait pas caster ensemble aujourd'hui avec avec l'issue de Rocket League. Le jeu, désolé. Ok, la frappe. Streamer depuis 1856. Après ça, je pouvais pas le pré-shot, frère. On a vu, on n'est pas concerné. Oh, je sais, mais des fois, il aime bien regarder. Ce qu'il disait là-dedans quoi. Ok, Hato. C'est pas encore, ok. Ah parce qu'il y a une pause entre les deux, ok. Aïe. Allez attention, non. Oh là là, Hato, je sais pas d'où tu sors, mais merci frère. Allez attention, Hato qui s'envole, c'est pop, Ryze. Il va arriver, Hato qui va contrôler, il va trouver un petit pop encore une fois. Il va la recontrôler, il va retrouver un mini pop, cette fois ça va aller en prolongation. Et là, les gars, le but, il peut changer l'histoire. Et on va devoir le trouver. Il va changer cette histoire. Hato, peut-être. Dommage. Ryze. Il arrive sur un pinch. Il va aller bloquer accro. Ça, c'est un bon ballon. Dommage. Simas. Qui arrive dans le dos. Je croyais que c'était une de nos voitures, justement, à la base. Vatira. Ryze. C'est bien. On continue de mettre la pression. Là, il trouve un beau contre, par contre. Hato, il va récupérer le boost. Je vais pas faire mieux. Relaching Wave, il a 0. Vatira, il va la mettre dans les airs. Accro était sur le mur déjà. Le pop de la part d'Hato pourra pas être suivi par Vatira étant donné que Simas était déjà dans les airs. Relaching Wave qui va se refaire contrer par Ryze. C'est bien Ryze. Il va continuer sur cette balle. Il va aller chercher la démolition. Hato, il y avait peut-être mieux à faire là. Hato qui va trouver une démo aussi. Ryze, il a du boost, il va pas pouvoir la retoucher par contre. Hato devant sur Ryze peut-être, non? Il va y aller en solo, Ryze il va aller jouer les démos justement. La double tape pour Hato! Non! Juste au-dessus de la barre. Et attention là maintenant à la contre-attaque. Hato, c'est bloqué par accro. Ryze, il va l'envoyer juste à côté. Vatira sur le backboard qui s'envole. Le contre. Le PC de stream est en train de canner, mais non. On va le rechanger, on va ramener celui de la maison. Il y a des freezes encore. Je comprends pas comment ils freezent. Il y a que OBS sur le PC, attention, Hato, sur le backboard. Ça c'est la carte d'Aki, Vatira. Cut le record, il est déjà cut, je record déjà plus depuis un petit moment. Il y a Jekyll qui est en train de regarder les gars, désolé s'il y a des freezes. Vatira. Vatira qui va se retourner. Allez, le contre, dommage, je pourrai pas trouver. La double tape sur la tête d'accro. Allez, attention, Simas, il va se relancer. Là, il a du boost. On va le bloquer. Ryze dans les airs. Il va envoyer côté opposé. Relaching Wave sur le corner. La démolition. Il y a eu double démo. Il n'y a plus personne sur le terrain. Ryze qui va y aller. Ryze qui va trouver un pop. Ça va aller sur le backboard. Vatira qui va peut-être essayer d'intervenir. Dommage. C'est défendu.
Attention. Vatira. Non, dommage. Démolition, on est où? Ato, le pogo? Non. On avait passé un joueur, mais pas plus. On va bloquer là-dessus. Rice qui va envoyer devant. Rice qui va récupérer du boost. Il garde le contrôle de la balle. Il va essayer de trouver une passe, peut-être un tir. C'est bloqué par accro. Oula, Ato. Le rebond qui l'a eu. Rice qui va revenir. Rice qui a volé le boost adverse. Vatira. Le 50. C'est bloqué. Allez. Oulala. Là là. C'est dangereux. C'est dangereux si c'était cadré, c'était but parce qu'il y a eu une démolition au même moment. Vatira. Vatira. C'est un contre, il est bien. Non, dommage. Désaxé. Accro. Il va s'envoler. Rise qui est venu. Très bien joué, Rise. Il avait pré-jump. Du coup, il a forcé Accro à repartir vers le sol. Mais il l'a quand même contré. Aïe, aïe, aïe. La passe, infield. Rise qui va bloquer. Vatira qui va pouvoir envoyer loin devant. C'est loin devant, comme prévu. Il va voler le boost maintenant. Ato, tu dois gagner ce duel. Non, il n'y aura pas de duel. Non, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est bon. C'est sauvé par Ato. Vatira. Le 50, non, pas de 50. Les gars, ça freeze encore. Ato. Le musty pour avancer la balle. Oh putain. On a eu chaud de fou, frère. Attention, Simas, la passe devant. Ok, il n'y a personne. Il n'y a personne. Là, il n'y a plus personne aussi en défense de leur côté. Ato, faut y aller vite, faut aller vite. Faut aller vite. Il y a eu un retour défensif. La passe sur le backboard. Rice qui arrive à Tira. Sur le backboard pour la double tape. Tira. Toujours lui. Toujours lui. Quand on en a besoin. Ben, il n'y a plus d'espoir. Le but de la délivrance. Mais c'est pas fini, les amis. C'est pas fini. Tout le temps là, toi. C'est dur, les frères. Hein. C'est dur. Hein. Une équipe en manque de confiance, c'est dur. Hein. Faut absolument se qualifier et envoyer une semaine de scrim. Hein. Des TP, frère. Je suis exténué, frère. On doit envoyer une mission reformatage là. Les équipes contribuent leur vie. Et tout le monde joue sa vie, frère. On respire, hein. On respire. Pas l'habitude de stresser en qualifier. Ah non. Non, non, non. On l'a eu une fois et on se dit en bracket, ça s'est passé tranquillement. Merci Ayoub. Bon allez, terminez-moi ça. C'est bon, on a assez rigolé. Ok, il a bump Ato, mais Ato il veut pas tuer cette balle. Parce qu'il savait qu'un teammate allait arriver. Et finalement c'était un ennemi. Vatira. Est-ce qu'il peut passer en dessous? Non. Rise. Dans les airs, il va passer au-dessus une fois, deux fois. La passe pour Vatira et Clean, il va aller jouer son bump. Allez, normalement ça peut faire but. Non, le retour défensif, ils sont déjà sur le backboard, mais on voyait pas ce backboard. Rise, il a mis le même skin que Vatira. Ça va être dur de... Oh là, la frappe directe. Stop les frères, t'as vu Hachem. Même pas claquer un peu de boost. Ato. À l'aide du ceiling, tout seul. Oh, l'arrêt de fou de la part d'Acro. En fait, il a arrêté puis reparti comme si de rien n'était. C'est pas un arrêt de fou parce que je pense pas que ça allait rentrer directement. Allez, Ato. Accro qui s'envole. Oh là là, Ato. Est-ce qu'il peut. C'est open ou non? C'est bon. C'est bon, c'est pas open. Il aura le temps de faire l'arrêt. Le bump. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Hein. Rien à dire. Rien à dire. J'ai plus de voix carrément.
Ma stun plus enlever ma voix. Allez, Ryze devant. Sima sur le backboard. Ryze encore. Est-ce qu'on peut se retourner? Ato, le 50, Simas, il va pousser la balle, il va tirer, est-ce qu'il peut intervenir là? Attention parce que c'est difficile comme défense, pas difficile pour lui, 3 minutes 33, encore deux jeux, oh le très beau contre de la part de Vatira, il a forcé toutes les ressources de Simas là, mais ils vont pouvoir relancer, c'était bien placé, on n'était pas encore en phase offensive, on ne pouvait pas compter sur un contre miraculeux comme ça, allez Ato, au contrôle, ouais il en passe un. Il va essayer d'en passer un deuxième. Simas qui a des mauvais Vatira. Ryze qui va s'envoler. C'est bloqué par Acro. Vatira, il va récupérer le boost et la balle. Il va jouer son contre. Relaching Wave. Oh, on n'a pas pu le fake. Attends, il y a une démo, c'est open. Non, c'est bon, Vatira qui va faire le retour défensif. Il me semblait qu'il y avait une démo sur Ryze, parce que je le voyais pas. J'étais terrifié, frère. J'étais terrifié, hein. Attention, ça va jouer le bump. Vatira qui va l'esquiver. Faut se retourner là au milieu de terrain, il faut se retourner au milieu de terrain. Allez les gars. Le fake, il est beau le fake, la frappe, parfaite. Ah là là, je crois qu'on va pas être tranquille hein, jusqu'au bout de cette journée. Hein. On va pas être tranquille jusqu'au bout. Ouais, il fallait se retourner au milieu de terrain, après on avait pas de ressources. On aurait dû avoir un trouble fête là-bas. On peut pas les laisser jouer comme ça à tout. Tranquille, même si on n'a pas de ressources. Accro, le fake. Non, ça y est, frère, il va nous faire comme le premier match. Mais c'est qui ce mec, frère? Ah, c'est clean, hein. C'est clean, frère. Hein. Il est en match life. La game 1, il nous a fait du sale, déjà. Allez. 2 minutes 33, il y a le temps. Même si... ça va être dur de revenir. Oula, attention. Ato qui se loupe là sur le rebond, Vatira le 50, Vatira qui se fait bousculer encore, Ryze il va finalement venir l'aider, Vatira a récupéré le boost, Ryze il a la balle mais il a zéro, il se fait chase par Simas dans notre propre backboard, Vatira loin devant, allez, 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 oh, attention à la contre-attaque hein, parce qu'il y avait un joueur dans le dos qui venait de voler de notre boost, ok, pas trouvé quelque chose là-dessus, non, Vatira. Ça va du côté opposé, Ato, en deux temps. Oh, dommage. Ça redirect, ils ont tous les trois sauté. Malheureusement, cette balle, regardez où elle va. On ne peut pas punir ce triple commit. Vatira qui va se faire démo instant en plus. On va venger notre frère. Vatira, la passe pour Ato, c'est cut. Mais j'ai beaucoup d'intensité là, frère. Hein. Ça va vite. Il nous laisse pas respirer. Il nous cut, il nous bouscule, il nous démo. Et ils ont raison. Hein. Allez, Ryze. Et il faut faire la même chose. Ato, la passe. Personne pour. Pff, ok, elle rentre en pleine lucarne. J'en pleure. Alors peut-être. Je pensais que vous allez faire l'arrêt. Tu vois, j'étais même pas. Mais Simas, il avait rien. Et Relating Wave, il arrive au bout du bout. Il avait rien aussi. Ok. Ok. Allez, 1 minute 18. Il nous faut un kick-off goal, frère. Ça fait un petit moment qu'on l'attend, celui-là. Ah non, pas celui-là, frère. Pas grave, pas grave. Attention. Top d'Ato. Ato qui la met devant. Elle va drop. Attention, c'est dur là. Relaching Wave qui arrive pour sa double tap. Il n'aura pas l'angle pour cadrer, on le savait bien. Simas qui va contrôler. Attention, Accro. Ryze. Non, ça passe au-dessus de lui. Ryze, c'est le ballon, Relaching Wave qui le contrôle pour nous. La passe d'Ato pour Vatira, elle est bloquée par Simas. Vatira la back pass. Vatira qui va bloquer, Ato va devoir se retourner. Là, Simas il a 0. Hein. Il a 0, il le sait. Allez, Ato, la double tap, non. Ça va être cut par Accro, in extremis. Sur le backboard, Vatira, il est 1v3 là. On ne voit pas, Simas qui l'envoie loin. Là, il y avait 3 défenseurs, hein. Très très dur. Et la contre-attaque, elle est... Elle est éclair. Notre attaque éclair. Vatira. Il aurait pu être létal. Il reste 10 secondes. Faut trouver un but maintenant. J'avais pas vu le timer. Il reste 5 secondes maintenant.
Faut trouver là tout de suite. Ouais non, on va aller en game 5. Ouf. On va aller en game 5. Focus là, va falloir se concentrer. Va falloir être sérieux. Accro encore. Triplé. Gars, c'est une game. Personne s'est dit que ça allait jouer potentiellement notre deuxième split. Sur un match ce soir. Hein. Sur un BO, sur une game. Sur un match, parce que sur un match, je peux te dire ça, mais sur une game. Allez. Y'a pas de timeout, non. Non, non, pas en BO5. Super, on est out du major. Faudra gagner le troisième régional, quoi. Même comme ça, je sais pas si ça suffira. Je pense que oui, mais je sais pas. On verra. Pas rater un régional de la saison, c'est pas possible. Allez. T'as pas de major, pas de world. Non, ça veut rien dire ça. On a stack trop de points déjà, je sais même pas. On s'en bat les couilles de toute façon, on va se qualifier frère. Faites les paniquer là, on va se qualifier. On va se qualifier. On va parler des points. Allez. On va se qualifier les frères. Arrêtez de me parler de points, de je sais pas quoi, j'ai rien à foutre. Batira, le 50. Ato. Entre les deux, bon, bof. Personne peut intervenir. Simas qui va passer un joueur. Faut pas qu'il passe le deuxième avec le boost. Ça va. Là, faut pas prendre trop son temps. Justement, là, il regarde Relaching Wave, hein, Batira. Il va jouer un pinch maintenant. Son but, c'était vraiment de passer Relaching Wave, de pas se faire déranger par lui. Parce qu'il avait pré-jump et tout. Wow. Il y a quelqu'un, dites-moi. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a quelqu'un. Voilà. Ok, on peut en profiter peut-être. Non, c'était une passe finalement. Passe bien aérienne. Rise. On peut pas l'envoyer le en devant. La passe. Batira qui va... clear cette balle, c'était dans les cages, mais bien évidemment, ça ne va pas faire but. Allez, les gars! La frappe, contrée par Vatira, contrôlée pardon, par Vatira. Ato, depuis le ceiling, il va trouver un 50. Rise, pop la balle. La démolition. Vatira avec le ceiling pour Rise! Non, Simas qui va faire l'arrêt. Et attention maintenant à la contre-attaque. Vatira, il est dans la merde. Il est dans la merde, il va faire l'arrêt quand même. Heureusement, Relaching Wave lui a pas mis la pression, frère. Il y avait personne d'autre. J'ai pas compris pourquoi il l'a laissé tranquille. Il avait zéro de boost. Tant mieux, hein. Rice qui va pop la balle. Ato qui s'envole. Allez, quelqu'un peut-être. Non. Rice, faut gagner ce duel, hein. Très bien. Pas vraiment très bien, mais. En tout cas, il est pas perdu. Va tirer sur le backboard. Le 50, oui, ça passe. Attention, démolition, Rise. Sous 50 lui aussi, Vatira qui passe au-dessus. S'envole un peu. Il va trouver un reset peut-être, le contre. Rise sur le backboard, accro. Ok, très bon bump. Très bon bump parce que accro c'est vraiment une menace frère pour le coup. Vatira qui va clear directement le ballon qui fait des allers-retours. De l'attaque défense instantanément. Vatira qui va faire l'arrêt. Il va contrôler le ballon en plus. Il n'a pas pu prendre le boost. C'est Rice qui va le récupérer, ça va, on l'a pas laissé à l'ennemi. Petit bump de la part de Vatira, Rice qui passe un joueur. C'est ça qu'il faut, un bump, un duel gagné et derrière c'est open. Hein. Ça peut aller vite. Et Vatira, mais là, là il y a quand même une crainte d'élimination, donc le jeu n'est pas pareil. Allez, Ato, le bump peut-être. Non, t'as pas pu trouver de bump. Vatira qui va trouver un flip reset. Rise sur le corner. Accro. Simas qui pousse. Ato, on va jouer le 50. Cette balle, elle est dans les airs. Relaching wave. Le 50. Ok, Rise, il va l'avoir normalement. Oh, il va se faire contrer. Oh, heureusement, le contrer n'est pas cadré, frère. Allez, Ato. Allez, les gars! Hey, je prends autant de douleur dès maintenant, frère.
Allez, oui, c'est cut, ça, c'est cut, ça, c'est cut, c'est lu, c'est téléphoné. Vatira. Peut-être trouver un bump quelque part, quelque chose. Atto qui se retourne. Vatira qui va contrôler. Attention, il va se faire rush là par la Ching Wave. Il y a un deuxième joueur qui arrive. Il pourra pas intervenir deux fois. Attention à cette balle, c'est bon, c'est pour Rai, ça va loin devant. Ça va loin devant. C'est reclear directement, attention à la redirect, Vatira est présent de toute façon. Rice qui se retourne, loin devant encore une fois sur le backboard. Atto qui arrive, la frappe. Allez, 1-0. Tranquille, c'est pas fini. 52 secondes les gars, le cadena, on ferme tout, on sécurise, je m'en bats les couilles, l'Atlético de Madrid. Là, on n'est pas en forme, on n'est pas en confiance. Il faut du coup s'adapter. Il faut s'adapter. Ah! Non. Vatira, il bloque. Il a zéro de boost. Atto, Rise, touche là. Magnifique. Pousse. Oui, Atto, crochet. Atto, s'il vous plaît, le break, je vous en supplie. 30 secondes. Non! Eh ouais, j'ai vu le bump dans les cages. La passe middle. C'est complètement open, frère. Mais non, on doit pas s'écrouler comme ça, les frères. Putain. C'est pas grave. 24 secondes. C'est terrible, hein. Je dis que c'est pas grave, mais c'est terrible. Mais on est encore dedans. Aïe, attention les gars, ça revient. Ah putain. Est-ce qu'on est encore dedans, frère? Putain, mais ça se ressent, frère, ça se ressent. Il reste 10 secondes. Non, pas comme ça, les mecs. Alors là, ça c'est terrible. Et là du coup, ouais, là il y a plus, de loser bracket, chef. Hein. On a déjà perdu notre chance. Là c'est terrible, hein. Notamment sur Flame, ça va être dur ce soir. Bah les couilles du Flame, frère. Je m'en bats les couilles des autres, moi. Voilà, on vient de se faire éliminer, tu me parles du flame. Rien à foutre. Putain. Là, c'est dur, là. On a mal joué. Très mal joué. On n'est plus dedans, là. Il n'y a plus la confiance. Mais normalement, même sans la confiance, cette équipe, vu ce qu'elle a fait au premier split, c'est impossible. Heureusement, on avait l'avance pour les Worlds. Ouais, mais ça, c'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Même un top 16 au régional, tu vois, tu peux. Vas-y. Bah, même, c'est impossible, en fait. C'est impossible, frère, de faire 0-3 en Suisse et tout. Ça n'existe pas, frère. Alors là, j'ai pris un obus dans le crâne, frère. Je suis stun, frère. Alors là, c'est vraiment un choc, frère. C'est mort pour le Major. C'est pas mort, mais ça va être vraiment dur. Là, va falloir le prochain régional, faut le gagner, tu vois. C'est le minimum.
Ouais. Ouais, ça va être du. Ça va mettre du temps là pour se remettre de ça. Hein. Y a pas majeur, c'est quasi impossible d'aller aux Worlds. Non, non, ça n'a rien à voir ça. Enfin, si, ça dépend des équipes qui vont scorer des points en fait. Ça dépend des équipes qui vont scorer des points. Si les équipes qui ont déjà des points scorent encore plus de points, on est bien. Si c'est des nouvelles équipes, là oui, ça va être dur. Ouais. Bon. Va falloir se relever, hein. Va falloir se relever, hein. Va falloir se relever. Pas du tout la même équipe là, faut regain, ouais. Va falloir, je sais pas ce qu'il va falloir faire, mais va falloir se relever, frère. Aïe, 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 aïe. Les gars, je vais aller manger. Moi, je peux pas continuer la stream là. J'ai pris un stun, frère. J'ai pris un stun. On a perdu notre réalisme. Ouais. On n'est plus des tueurs, frère. Là, on n'est plus des tueurs. Quand on est devant les cages, on n'est plus des tueurs. Je reviens ce soir. Je sais pas, les gars. Je vais AFK là. Je reviens sûrement après, mais je vais AFK.